Bring it up. Okay, thank you. Voilà, ben en fait, c'est reconstitution il y a longtemps que vous participez à ce genre d'activité. La reconstitution en général, ben, ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans. Et des événements de cette ampleur-là, c'est le troisième auquel je participe. Vous pouvez un peu nous rappeler un petit peu toutes les nationalités qui sont présentes ici à Rhume aujourd'hui? Je ne les ai pas toutes en tête, je sais qu'il y en a 18. Donc à la base, c'est une organisation anglaise à laquelle d'autres groupes participent, d'autres groupes belges, notamment français, et tout le monde, avec un effort commun, met ça en place. Et donc on arrive à retrouver des Américains, Hollandais, des Tchèques, Russes. Voilà, c'est très, très varié comme nationalité. Il vous arrive de fraterniser ? Oui. Il y a des liens, des réels liens d'amitié, on va dire, qui se créent. Pour la petite histoire, cet été, un des copains ici a reçu en échange linguistique le fils d'un Américain avec qui on avait sympathisé il y a quelques années. Quoi. Donc voilà, ça peut aller jusque-là. Vous venez de où ici, en général, les gens, il y avait un point de départ ? Non. Le rendez-vous était fixé pour ici, hier, et tout le monde est venu des quatre coins du monde, j'ai envie de dire. Et il y a des véhicules qui ont parcouru énormément de kilomètres. Essentiellement, les véhicules arrivent par transport, sur plateau, mais certains sont venus par la route avec leur propre véhicule, oui. Ça demande beaucoup d'entretien, d'investissement, de pouvoir conserver des véhicules d'époque. Oui, c'est un travail, je ne vais pas dire quotidien, mais très régulier. Les véhicules doivent être constamment vérifiés, et au plus ils sont utilisés, au mieux ils se portent, on va dire. Donc si c'est pour le stocker un an dans un garage, c'est là que les problèmes vont commencer. Quoi. Donc, en ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous a poussé à essayer de faire partie, quelque part, de l'histoire? Il y a un devoir de mémoire derrière ça. Oui, il y a le devoir de mémoire. À la base, je pense que c'est un intérêt pour l'histoire de manière générale. C'est un intérêt pour la Seconde Guerre mondiale, de par les récits des grands-parents, de par tout ce qu'on a entendu qui concernait notre région dans un premier temps, puis l'intérêt a grandi. Et de cette manière-ci, ça permet de s'immerger un petit peu plus dans le quotidien de ces soldats de l'époque. Donc ça, on va un peu plus loin qu'au travers des livres ou des musées. C'est un rêve d'enfant ? Oui, c'est ça, c'est un mélange de tout ça, et puis ça allie pas mal d'aspects, donc cet intérêt d'histoire, ce plaisir de se retrouver au grand air, de participer à quelque chose quand même d'ampleur, c'est des échanges sociaux aussi, c'est plein de choses
qui se mélangent et qui donnent envie de participer à ce genre d'événement-là. Quoi, oui. Ce n'est pas indiscret de vous demander d'où vous êtes et votre nom ou prénom ? Moi, je me prénomme Thomas et je viens de Belgique, de la région de Charleroi. Ok. Mais je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez aimé vous exprimer, une question que je n'ai pas posée ? Non. Quelque chose où vous aimeriez insister ? J'aimerais insister sur le fait que c'est très, très lourd à mettre en place ce genre de trip, parce que ça demande énormément d'autorisation, puisqu'on traverse, je crois que c'est une quarantaine de communes. Il y a tout l'aspect armement qui est très lourd aussi, pour lesquels les autorisations sont quand même difficiles à avoir. Donc voilà, j'espère que ça va continuer à l'avenir, et que les autorités, en voyant la qualité de la chose qu'on arrive à mettre en place, vont rester ouvertes à ce genre d'événement-là. Quoi, oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil des Rumois ? Très bon, hein, jusqu'à présent. C'est en partie pour le public qu'on fait aussi ça, parce qu'on aime bien expliquer ce qu'on fait, on aime bien donner des informations sur les véhicules, sur les équipements, sur l'histoire en général. Donc on aime bien avoir des gens qui viennent nous voir, ouais, c'est sûr. Je suppose que vous participez à la reconstitution de demain ? Oui, c'est ça, oui. Bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Voilà, avec plaisir.